de la boue déferlant sur le village de Bondo et qui emporte des maisons sur son passage. Des scènes déjà trop vues dans le canton des Grisons en Suisse. Une deuxième coulée de boue s'est produite ce vendredi après-midi au surlendemain d'un premier glissement de terrain qui a laissé 8 randonneurs toujours portés disparus. À l'heure où nous parlons, aucun blessé n'a été repéré par les équipes de secours. Toutes ces équipes sont encore sur zone, là où s'est produite la catastrophe. La situation est examinée de façon permanente par les spécialistes de l'Office des forêts et des risques naturels du canton des Grisons, ainsi que par les géologues. Cette deuxième coulée de boue était attendue. Des pelles mécaniques utilisées pour débarrasser les gravats ont été prises par le courant. Les habitants de Bondo, évacués mercredi, avaient été autorisés à regagner leur domicile. Ils ont dû à nouveau quitter les lieux. Même si les recherches se poursuivent, les espoirs de retrouver les 8 victimes du premier glissement de terrain sont de plus en plus minces.